Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi aussi. Alors aujourd'hui, pendant ces vacances, je vais vous raconter des contes. Alors pour aujourd'hui, je choisis pour vous ce conte vraiment merveilleux, Le Petit Poisson Futé. Regardez ici les enfants, c'est un petit poisson rouge qui se cache derrière l'oreille droite de la baleine. Alors, c'est une baleine vraiment gourmande. Alors, ce conte d'après Rudyard Kipling, les histoires comme ça pour les enfants. Alors, écoutez maintenant. Le petit poisson futé. Le petit poisson futé. Il était une fois une baleine qui mangeait les animaux qui vivent dans la mer, bien sûr. Elle mangea le hareng et le merlan, le turbot et le mancou. Ce sont des animaux de la mer. Le hareng, le merlan, le turbot, les mancous, ce sont les animaux de la mer. Et aussi le thon et le dauphin. La dorade et sa camarade, l'anguille habile et lisse qui glisse. Alors tout ça, ce sont des noms des animaux de la mer. Je répète encore fois. Le hareng, le merlan, le turbot, le mancoureau, le thon, le dauphin, la dorade et l'anguille. Tous les animaux qu'elle put rencontrer dans toute la mer. Elle les mangea avec sa bouche comme ça. Jusqu'à ce qu'enfin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson. Un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson futé. Ça veut dire tout simplement intelligent. Qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine. Il se cache ici. Où il est toujours à l'abri. Où il est toujours à l'abri. Je répète encore une fois. Maintenant, regardez le texte. Le petit poisson futé. Elle était une fois une baleine qui mangeait les animaux qui vivent dans la mer. Elle mangea le hareng. Et le merlan, le turbot et le mancoureau, le thon et le dauphin. Et le dauphin. La dorade et sa camarade, l'anguille habille et lisse qui glisse. Tous les animaux qu'elle put rencontrer dans toute la mer. Elle les mangea avec sa bouche comme ça. Jusqu'à ce qu'enfin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson futé qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine. Oui, il est toujours, toujours à l'abri. Alors, si vous avez du temps, bien sûr, vous pouvez lire et écrire ce conte pendant ces vacances d'été.